Coucou les filles, donc là on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer, je vais faire un marbré au chocolat façon Saint-Michel dans le moule d'Honnête. Donc en ce moment c'est mon moule favori, donc c'est pour ça que c'est la deuxième recette que je vous montre avec ce moule. Du coup, on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés, toujours chaleur. Non, je vais le mettre en mode gâteau. Selon vous mettez en chaleur tournante, chaleur poussée, comme vous voulez. Voilà, donc le four est préchauffé. Donc là, on va commencer par mettre dans le bol du Thermomix 120 g de beurre. Donc je n'ai pas pesé, hein, vu que la balance est intégrée, on va directement peser ensemble. Donc 120 g de beurre qu'on va venir faire fondre directement 4 minutes. On va mettre 4 minutes 30, 80 degrés, vitesse 3. Voilà, donc les 4 minutes 30 sont passées, donc on a fait fondre notre beurre. Et donc là, on va venir ajouter de la crème liquide. Donc je me remets sur ma balance. On va mettre 120 g de crème liquide. Et on va mettre 130 g de sucre en poudre. J'aime bien un peu plus. On va venir mélanger tout ça. Là, on a le beurre fondu, la crème et le sucre. 30 secondes. Vitesse 4. Ça, c'est quand même une recette assez facile pour le goûter, les enfants. Voilà, donc là on a mélangé. On va venir ajouter les œufs, la farine et un sachet de levure chimique. Donc 4 œufs. On va mettre 220 g de farine. Voilà. Et la levure chimique. Et on va mélanger de nouveau. Toujours 30 secondes. Vitesse 4. Donc voilà les filles, donc j'ai transvasé la préparation dans un saladier. J'ai mis 100 g de chocolat au lait, 120 g de chocolat au lait que j'ai haché 4 secondes à la vitesse 7. Et là, je vais faire fondre mon chocolat 5 minutes, 50 degrés, vitesse 1.
Donc voilà les filles, donc une fois que le chocolat est fondu, j'ai remis la moitié de ma préparation nature dedans. J'ai mélangé 45 secondes vitesse 4. Donc comme ça, j'ai ma préparation chocolat. Dans mon saladier, j'ai ma préparation nature à la vanille. Et là, je vais faire le remplissage dans mes moules directement. Je vous montre ça. Donc voilà les filles, j'ai préparé mon moule. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes deux préparations dans une poche à douille. Donc là, j'ai vissé pour pas que la préparation coule. Et je vais venir garnir mes empreintes. Alors, donc là, j'ai juste à dévisser. Et comme ça, je peux couler ma préparation. Donc, je vais mettre un peu de préparation nature. Et sur les côtés, en fait, je vais venir garnir avec la préparation au chocolat. Donc là, je vais mettre un peu de chocolat. Et du coup, je vais faire ça avec toutes les empreintes et on va enfourner à 180 degrés directement. Donc voilà les filles, donc j'ai mis mes préparations. Donc commencez par mettre la préparation nature et après vous venez juste déposer en fait deux empreintes de cacao sur chaque côté. C'est beaucoup plus simple comme ça. Beaucoup plus simple comme ça, pardon. Et si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez le faire avec une cuillère, deux cuillères à soupe, ça ira très bien. C'est parce que là je voulais que ça soit beaucoup plus rapide. Donc voilà. Donc je vais enfourner, je vous montre le résultat tout à l'heure les filles. Donc voilà les filles, donc les. Gâteaux sont sortis du four, je les ai laissés reposer un petit peu. Donc je vais vous montrer le démoulage. Et voilà, donc c'est des gâteaux donuts façon Saint-Michel. Et vous pouvez, si vous voulez, pour faire des gâteaux nature, faire un glaçage au chocolat, mettre après des éclats d'M&M's ou de Snickers, ou ce que vous voulez. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce moule. Et j'espère que la recette vous a plu. Bonne dégustation les filles.